Donc, excusez-moi, j'ai dû me changer de place parce que je faisais avec mon portable. Et le portable, ben, il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait plus beaucoup de place. Donc, excusez-moi, donc on va reprendre un peu. On va dire la lancée sur le questionnement autour de Paris, autour de la France, et autour aussi certainement des énergies. Donc pour moi c'est clairement, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est comme si qu'il fallait vraiment le prendre comme un cadeau, même si c'est un monument historique, même si il y avait vraiment quelque chose d'énergétique dans ce lieu, dans ce milieu. C'est comme si qu'en réalité ça a affecté beaucoup de monde. Beaucoup de monde va encore une fois on va plus se solidariser, on va plus être ensemble dans une ferveur de prière, dans une ferveur de comment que je peux dire ça? J'arrive pas à trouver les mots, excusez-moi. Donc, mais pour moi, de toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui a été fait autour de ça, et même si on va dire comme quoi qu'il y a. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, sur Facebook, on peut trouver tout et n'importe quoi. On parle du satanisme et tout ce qui s'ensuit, et d'autres choses, de complot et autres. Pour moi, même si il y a vraiment tout ça qui, soi-disant, même si on dit que si c'est vraiment entre guillemets réel, ou si c'est vraiment ça a été fait comme ça, de toute façon, pour moi, c'est complètement perdu d'avance. D'accord? En réalité, tout ce qu'ils ont fait, ça ne sert strictement à rien. D'accord. En réalité, c'est comme si que, ben, comme je dis moi souvent à certaines personnes, c'est comme si que faut pas oublier qu'il y a le retour de bâton qui arrive et en réalité, on le verra bien là-bas. On le verra bien là. Et c'est comme si aussi, de toute façon, on voit que le printemps, il termine au mois de juin. Il y a encore peut-être d'autres phases et d'autres choses qui pourront se passer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, là, c'est Paris qui a été touché, c'est Notre-Dame de Paris qui a été touchée, mais pour moi, on peut voir aussi qu'il y aura peut-être d'autres monuments ou d'autres choses qui vont être faites, on va dire, dans d'autres pays. D'accord? Hier, j'ai vu comme quoi qu'hier, il y avait aussi un début d'incendie dans une mosquée, dans une grande mosquée, dans un autre pays. Donc voilà. Alors. Comme je vous ai dit aussi, il faut vraiment le côté spirituel. C'est comme si que le côté spirituel va reprendre un bond et va vraiment ressortir de là. Donc c'est vraiment que ça va être que bénéfique. D'accord? Alors même si on va dire, on pense que encore une fois, il y en a certains qui ont tiré leur épingle du jeu en mettant de l'argent dans dans la reconstruction, bah c'est très très bien. Mais on voit que ce côté-là. C'est un peu sournois, hein. C'est vraiment pour payer. Ouais, c'est. Ouais, ils pensent tout gagner, mettre peut-être une plaque à leur nom en disant comme quoi qu'ils ont été des célèbres donateurs ou autre. Mais on voit comme quoi que ça va pour ne pas impacter, on va dire, ce monument, voilà, ça va pas être comme ça. Ici, on voit aussi qu'il y a la force et le courage qui ressort. D'accord, il y a des choses qui vont être tranchées encore une fois. D'accord. Y a beaucoup de choses aussi qui vont bouger vraiment la nuit. De toute façon, pour moi, il y en aura la lumière. Alors tout à l'heure, je parlais du printemps, mais on voit aussi qu'il y a l'automne qui peut ressortir. D'accord. Mais par contre, on nous demande toujours d'être prudent. Donc prudent peut-être par rapport à ce sinistre, prudent peut-être par rapport à tout ce qui peut être fait aussi, peut-être encore une fois comme attentat et autres, mais on nous demande vraiment d'être prudent. D'accord? C'est comme si que il y a un endroit qui va être touché où il y aura beaucoup de un lieu, peut-être pas forcément ça, mais un lieu où il y a beaucoup de femmes, donc ça peut être aussi dans un centre commercial ou autre, et on voit que ça va vraiment impacter les gens aussi encore une fois. D'accord. Pour moi, on parle plus de région du sud. Donc, c'est pas forcément au-dessus de Paris. J'irai plutôt en dessous. Donc, s'il y a encore quelque chose qui peut arriver au niveau des attentats, je dis bien, on demande vraiment la prudence et puis on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, ça serait plus pour cet automne. Donc, on va dire comme quoi que entre
le débat et tout ce qui va être fait autour de Notre-Dame de Paris, tout ce qui va être dit et autres. Il y aura déjà un certain temps de passé et ensuite il y aura encore quelque chose qui va plus blesser le monde. D'accord. Ouais, il y aura des femmes et des enfants. Donc pour moi c'est vraiment centre commercial. Pour moi c'est aussi des pourquoi pas un parc d'attractions, encore une fois. D'accord. Donc voilà pour la petite vidéo. J'espère que j'ai fait assez. J'ai répondu à certaines des questions que vous posez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour échanger ou pour partager avec vous, même entre vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi sous les commentaires pour que je puisse les regarder et puis que je vous réponde directement. Donc voilà, je vous remercie à tous, passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.